Bonjour, ça commence incroyable. Aujourd'hui, on reprend la chasse de Evoli, qui m'a chié dessus hier. Donc cette fois-ci, j'espère que ça se passera mieux, parce que ça me gonfle. Et puis voilà quoi. Non vas-y, tu sais quoi, on va mettre autre chose que ça. On va mettre genre... genre ça, et puis genre 3h46, ça peut être pas mal. Et puis en plus il y a une compilation de 4h30, ça peut être pas mal. Playlist de la communauté, 43 titres, 18 titres, 60 titres. Mais ça dure combien de temps tous ces titres? 21h! Je pense que c'est bon. Voilà, ok, je ressens le son ici. C'est bizarre, on a l'impression que ça changeait pas dans mes oreilles le volume. Ok? Je vais mettre ça là. Mesh. Voilà. Voilà. Et puis bah on va lancer la Switch, t'as. Ma Pokéball du coup pour me porter chance. Bon, ce serait cool que la Switch se prise en compte là. Allez, la Switch. Voilà, incroyable. Bien. On peut switcher sur Switch. Et nous y revoilà. Et puis on fait ça. On projette la source ici. Je peux faire ça. Et voilà. Et voilà. Donc, première étape chiante à faire. Trouver un Evoli. Je regarde juste vite fait qu'est-ce que ça dit sur ma manette en termes de batterie. Ça va. Ça devrait tenir le reste du stream. Voilà, du coup, ben c'est parti. Trouver Evoli, étape numéro 1, comme toujours. Ce n'est pas lui. Alors, est-ce que je peux réduire ça? Et est-ce que je peux changer la position de ça? Non. Non. Ah, attends. Ça, c'est devenu ça. Donc ça, je peux supprimer. Ok. Ça, ça marche pas. Donc, ça peut continuer. Une semaine de plus, ouais, je pense aussi. Ça. Pourtant, il n'y a pas de... masqué. Voilà, on va faire ça en fait.
Masqué. Et ça, on garde. Ça, Le problème, c'est que c'est mis là-dedans, donc je sais pas. Wesh. Wesh. Alors attends, je vais baisser le son là pour être sûr que tu n'es pas plus fort que la musique. Enfin, que tu es plus fort que la musique. Pour être sûr qu'on ne t'entende pas, je vais mettre la musique à fond. Hop, voilà. Pas bien. Fatigué. Et toi? Pareil. Hein. Oh, le copiteur. Limite, quand j'étais chez le médecin, j'ai failli m'endormir devant lui. Ok. Alors que bah j'ai fait bah une nuit normale, mais je sais pas, j'ai pas eu l'impression d'avoir bien dormi, tu vois. Ok. Du coup j'ai des antibiotiques 2 fois par repas, 3 fois par jour, du coup. Ok. Donc j'en ai 6 à prendre dans la journée. En plus de la crème. De la crème. Ça, c'est une sorte de vaseline à mettre sur les mains matin et soir. Ok. Je me suis dit, est-ce que genre en termes de du coup, de protection des gants pour la vaisselle, ça t'aiderait pas, tu vois? Ce que tu disais en latex, mais je pense que tu parlais des gants qui sont en latex super fin. Ah oui, mais c'est en dessous des gants à latex, en dessous de mes gants de protection. Parce que j'ai obligatoirement des gants anti-coupure. Oui, ok. Et du coup, là, on est. J'ai mon arrêt de travail, j'ai ma facture de mes médicaments parce que, bah, bizarrement, la mutuelle, il la trouvait pas, donc je peux emmener ma facture en même temps à mon boulot. Et je dois prendre mes mains tous les jours en photo. Pour plus tard le dermato et puis voir, parce que ça se trouve dans 3 mois, si j'ai mon rendez-vous que dans 3 mois et que mes mains elles ont plus rien, ouais. Il va dire bah alors vous avez rien, bah, allez-vous-en. 50 euros avant par contre. Et donc j'allais voir aussi un allergologue. Je voulais dire un aller-retour. Paris-Roubaix. Et lundi, il faut que j'appelle pour la médecine du travail. Ok. Ping-poing. Oui, oui. Et là, Val, il a vu la pub d'un jeu. Du coup, j'ai regardé. Ça a l'air trop bien. C'est un survival médiéval. Mais super joli et tout. Dans, en gros, c'est un truc qui s'est propagé, qui a réveillé les morts. Et du coup, c'est un survival médiéval de zombies. À la sauce roguelite. Mais le jeu, il est super beau, on dirait un triple A, alors que c'est un jeu indépendant. Ok. Et pour l'instant, il y a, bah, on peut rien, on peut pas du tout l'acheter, juste une alpha très sélective. Mais le pire, c'est qu'il est super beau, et je vais te dire la configuration minimale pour faire tourner. Une 4090. Non, alors... Et... C'est une GTX 670. Ouais, mais si c'est comme Persona 5 et que c'est le processeur minimal qui s'en prend plein la gueule. C'est quoi le processeur minimum? Il est où? Un Intel Core i5 3470. Ok.
Ça va. Donc, bah, j'ai beaucoup mieux. Le AMD qu'il faut, c'est un AMD FX 4350. J'ai beaucoup mieux, donc c'est bon. Mémoire vive! 4000 mégabits. 4 gigas quoi. Je sais pas pourquoi ils ont écrit 4000 mégabits de mémoire. Espace de disque, 20 000 mégabits. 20 gigas donc. Ils auraient dû mettre en bits, tu vois, directement, tu vois. Système d'exploitation Windows 7, 20 milliards de P1, bits. Windows 8.1, Windows 10 et même Windows 64 bits. Le Vénard, mais va te faire enculer, le Vénard JPP de lui. Connexion internet haut débit pour jouer en coop. Hein. Parce qu'on peut jouer en coop jusqu'à 4. Waouh. Franchement, ça a l'air stylé. Moyen, je me suis fait chier dessus par Pokémon Perle Scintillante. Pourquoi? Donc là, je chasse Evoli en Pokéradar pour avoir toutes les évolutions. Ah ouais. Shiny, quoi, tout simplement. Déjà, il évolue et que à 5% dans les herbes que je fais, et c'est les seules herbes où il est. Où il est accessible, quoi. Ouais. Donc, t'étais dans le genre. manoir, Oui, c'est là, le manoir c'est là où qui je suis. change de Pokémon. Ah C'est là oui, où je suis, d'accord. ouais. C'est le seul endroit où il y a des évolis qui pop. Ouais, mais pas tous les jours. Hop. Alors, oui et non. En fait, tant que tu parles pas au mec, ça change pas le Pokémon. Donc, là, Ah d'accord. ça fait des mois que je suis sur Evoli. Tant que je parle pas au mec pour qu'il change de Pokémon, J'ai pas c'est quitté le bon. parc depuis un mois. Ah, tu peux quitter le parc, il faut juste pas parler au mec. J'ai quand même pris un pal, le petit garçon que j'ai laissé entrer dans le parc, il m'évite. Hop. Et du coup, voilà. Et donc, hier, je tourne presque 1 heure pour le trouver la première fois. Chaîne de 2, Ouais. ça casse. Alors, Oh. je rappelle, parce que ça fait longtemps que tu n'as pas joué au remake 4G. Mais pour le Pokéradar, c'est Non mais 93% de chances que je ça sais. continue. Je sais. Mais je n'aime pas les remakes. Enfin, c'est pas que je les aime pas. C'est que c'est un. Le remake change trop de trucs qui me faisaient énormément kiffer la 4G et c'est ce qui fait que bah quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, c'est nul. Nul. C'est nul. Hop. Donc, une chaîne de 2 et ça casse. Ensuite, j'en retrouve un 10 minutes, un quart d'heure après. J'arrive à 40, ça casse. Si je capture le 40e, j'étais en train de m'apprêter à dire, bon ben voilà, maintenant j'ai un shiny garanti parce que si ça continue, voilà. Et bah ça n'a pas continué. Donc j'ai réussi à amener la chaîne jusqu'à 40 et après elle a cassé juste après. Jeu de merde. Ensuite, je remonte une chaîne, enfin, je retrouve un genre pareil 10 minutes, 20 minutes après. 20. Oui, je suis fatigué donc je sais plus ce que je dis. Chaîne de 3 et ça casse. Ensuite, je tourne 1h20 dans les herbes pour retrouver un Evoli. Chaîne de 1 et ça casse. Du coup, j'ai rage-quitte. Ah! Ben voilà. Étonnant. Il suffisait que je le dise pour que enfin le premier Evoli d'aujourd'hui apparaisse. J'ai mis seulement 20 minutes, incroyable! Mais combien de temps vais-je pouvoir l'enchaîner Deux fois. Voilà Deux quoi. fois. Donc là, je viens d'endormir à export, je fais fauchage. Et c'est Hyper Ball, parce que même Hyper Ball, des fois, il rentre pas tout le temps. Donc, je vais pas m'amuser à mettre des Pokéballs. Palapap, palapap, palapap.
Et de 1. Du coup, je vais pouvoir mettre le paquet montre qui indique combien de ma chaîne est, à combien elle est. Hop! Et donc, 1, 2, 3, 4, c'est parfait. Eevee! Il apparaît vraiment vénère quand il apparaît à Evoli. C'est comme Pikachu, t'es. Pikachu! Viens faire des papouilles! Mon chat, je crois qu'il est malade. Il s'est endormi. Gandalf. Moi, la mienne, elle est pas contente. Il surbave. Depuis plusieurs jours, et ça fait que hier soir que je me suis rendu compte que c'était le cas. Parce qu'au début, oh, parce que j'ai cru au début que c'était de l'eau qu'il avait, parce qu'il avait bu comme un cochon. Et en fait, non, c'est de la bave. Et du coup, je me suis rendu compte bien après. Du coup, c'est soit il a. Soit il a mangé un truc qu'il fallait pas. Soit il a une maladie grave. Mais je pense pas que ce soit le cas parce que c'est de la bave transparente. C'est pas des trucs où il y a dans lequel il y a du sang ou quoi. La mousse. Ouais. C'est vraiment que de la bave liquide, fluide et. Ou alors il y a peut-être juste la nausée et ça le fait pas de. Non, je pense pas. Enfin, je sais pas. Parce que ça fait plusieurs jours. Hein, ça fait au moins 3-4 jours. Donc pour l'instant c'est pas hyper grave. Hier je lui ai lavé le bide. Je lui ai lavé la tronche plutôt. Hop. Parce qu'il commence à avoir les yeux qui coulaient aussi, ça, c'était assez dégueu donc. J'ai tout de où il s'est réveillé en un tour. Donc ouais, je lui ai lavé la tronche, et puis ce matin, j'ai vu qu'il y avait encore un peu de bave et tout ça, donc du coup, je lui ai donné de la pâtée. Et juste après, je lui ai donné des croquettes dans la gamelle, alors que d'habitude, c'est sur son plateau de jeu où il est obligé d'aller récupérer une par une les croquettes. Et là, du coup, je lui ai donné dans une gamelle pour qu'il puisse vraiment en manger beaucoup d'un coup, et du coup, pour qu'il puisse... se laver un peu l'estomac avec les croquettes et tout. Là pour l'instant ça a l'air d'aller mieux du coup, il bave plus trop. Là il dort. Puis après bon, il bave mais ça changeait pas son comportement, hein. Il était toujours aussi joueur. C'est peut-être aussi une rage de dents, j'ai entendu, j'ai lu sur internet. Hop. Mais ouais, il mangeait tout le temps, il buvait quand même, il était toujours propre. Il jouait avec son frère et tout quoi. Donc pas de changement dans son comportement, le seul truc qui change c'est qu'il bave quoi. Mais là il est à côté de moi, il est tout mignon. Point d'XP. J'ai fini. Salut Louis. J'ai fait toutes les quêtes existantes possibles de toutes les redstone. Ah, j'aurais pas dû, j'aurais dû reset. Ah, il est trop vivé celui-là. T'as perdu ou pas? Non. J'ai dit, j'ai fini toutes les quêtes existantes de toutes les redstone. Ok, j'ai. Moi. Toutes les quêtes arc-en-ciel et les. Il me restait juste la super arc-en-ciel de métal couleur. Ça c'est fait. Et après il me restait juste les 8 tours pour Broly et 7 tours pour Omega. Et ça aussi c'est fait. Là je critique encore. Et Ok. Oui, je veux que t'as encore sur Giratina du coup. Au moment où t'es apparu dans le chat, j'avais parlé de toi, j'allais dire justement à Jouzo, hier il y a un mec sur le chat, il est venu en disant qu'il est en train de chasser Giratina en reset sur Depths. Ah, bah bonne chance. Force à toi.
C'est son sixième jour aujourd'hui. Ok, j'ai eu de la chance. Ma force encore plus à toi. Take my energy. Hop. Et sur du coup sur le portail GT, j'ai rien eu et c'est surtout pourri. Les films, j'avais eu le doublon de Tapion Minoshi LR. Et sur la lignée diabolique d'Erican Conquérant, j'ai eu le Freezer troisième forme, sauf qu'il est déjà cool. Il dit merci du coup. Oui, j'attendais qu'il finisse sa phrase avant de lui dire. J'avais compris. Après, normalement, quand il est avec moi, Jouzo, en général, il était dans le chat aussi, mais. Mais là, non. Il y en a rien à foutre de m'apporter des vues, de la célébrité, de la populace. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, j'avoue tout. C'est vrai. Hop, on est déjà à 7. Eevee! Je suis vraiment crevé aujourd'hui, je suis. Ah, t'es gonflé. Défoncé. J'ai vu, il y a plein bon, de. Du coup, je suis en train de faire des quêtes là, qui a. Sur lequel. Pardon, moi aussi je suis crevé. Tu disais, il y a eu un. Quoi? Il y a des pas mal de drama sur Twitter en ce moment par rapport aux streamers et. Bah oui. Et tout et tout. Hop, non, j'ai pas trop le seum d'hier. Si je garde le seum jour après jour, je jouerai plus en fait. Hop. Easy. Epic. J'ai pas lancé les Marvel Snap hier et j'ai pas encore fait aujourd'hui non plus. Ça me fait rire quand je fais des coups critiques sur fauchage. En fait, en vrai, vu que le coup critique, ça double, ça devrait du coup laisser le Pokémon à 2 PV. C'est genre, tu fais un crit, c'est moins bien que la version de base. Oh. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ok, donc c'est 4, c'est celui-là le quatrième. S'il arrive pendant que je goûte, ça va chier et être trop cool. Moi je viens quasiment de manger là, donc je ne goûte pas tout de suite. Mais là, j'imagine si ta bouche est remplie de BN, tu vas faire... Si je rate une chenille. Moi je voulais aller à la pharmacie du coup... Tout à l'heure, mais vu que c'était fermé, bah, je suis parti faire un tour sur le marché, et j'ai mangé une saucisse et j'ai acheté 2 cookies à la micaline. J'en ai mangé un tout à l'heure avec du chocolat chaud. Des cookies à la vitamine? À la micaline. Ah. À la micaline. Oui, la micaline. J'ai dit ami. Bref. Ouais. Et c'était bon. Ça roule pas bien haut. 1, 2, 3, 4. Bah t'as l'habitude, en quoi t'es surpris?
Ouais, mais là, c'est j'ai la fatigue, du coup, Bah moi aussi j'ai la fatigue, donc c'est pire ça qu'à me passe, l'habitude, j'ai plus rien. ça me passe pas au-dessus, du coup. Ça te glisse dessus. Sport. Encore une fois, il a évité le regard touchant. Quel exploit incroyable. Couchage. Et en capture. Je crois qu'on a un quart là. On doit être autour des 8-9. Pink. On a 10 pile poil, ok. Donc on est bien à un quart. Et oui! J'ai failli faire fuite. Par réflexe de quand je cherchais le Pokémon. Ah, cache critique. Ah, j'ai fini Cabinet of Curiosity hier. Il me reste le dernier épisode. Ah, bah c'en est un de mes préférés, tu vois. Ah. Ouais. C'est vraiment... De la merde! Je croyais que c'était ton préféré. Hop. Ma chaîne s'est brisée. C'est mon préféré. Je l'aime pas. C'est Euh... quasiment ça. Et du coup, hein, c'est vraiment cool et c'est vraiment la base de l'horreur et tout que j'aime bien. La réalisation était vraiment pas mal. Bon bah j'espère que je vais pas être déçu. Non, je pense pas que tu vas être déçu, non. C'est maison hantée, donc tu kiffes ça sur les maisons hantées. Ah oui. Parfait. Ce n'est pas un évoli. Pam pam. Vite, je vais faire les courses tout à l'heure. Ouais. Mais pas là où on peut acheter des monsters. C'est con. Donc je suis à 7. Ah, je suis à sec. Je suis à 7. T'es. En même temps, hier, j'en avais qu'une. Ouais, ce matin, je me réveille. Vous avez 80 mails. Comment ça, j'ai 80 mails? Et je regarde Steam account. On a essayé de vous pirater votre compte. T'as fait beaucoup là, non? Mais putain, t'as autant de chance d'être un... J'ai autant de chance de croiser soit un Levenard, soit un Evoli, et à chaque fois c'est des putains de Levenard, j'en ai rien à péter là. Déjà parce que j'arrête pas d'en avoir Shiny, ça me saoule.
Par contre, j'aimerais bien faire une Ken Bogard, un de ces quatre. C'est genre, première fois que je lance le Poké Radar, il y a déjà une arme qui brille. Une chance sur 1000 que ça arrive. Bah, Ken Bogard, il a eu cette chance. Hop. Déjà con ça. Tic tic tic. Clairement, j'en ai pas. Le jeu, c'est de me dire. Le jeu essaie de nous dire que j'ai de la chance en mettant des levénards sur ma route, mais... Oh, t'as fait chouchoui. Ah, en fait, j'ai réfléchi et le set Lego que Oula, je me souhaiterais pour Noël... Ça t'a pas fait trop mal à la tête? Oh, mais qu'est-ce que c'est drôle, c'est vachement original en plus. Ouais, comme toi tout à l'heure, tu l'es. J'ai réfléchi. Voilà, ça y est, ça fallait pas trop réfléchir. N'arrive plus à naviguer de mots. Voilà. Le set Lego que je prendrai pour Noël, ce sera la Batmobile de Tim Burton. Batman. Parce que bah, je kiffe la Batmobile de Tim Burton. C'est un des rares trucs que je kiffe à propos de ce film. On va dire que c'est un très bon film, le problème c'est que l'accent il est trop mis sur les méchants et pas assez sur Batman. Mais après oh, voilà. Moi ça me dérange pas. Et Batman en question, c'est pas un hyper bon Batman non plus quoi. En termes de prestance, en termes de... C'était George Clooney. Non. Alors c'était Michael Keaton. Ah oui. Hop. Qui a fait les deux premiers va. Batman, donc de Tim Burton. Une fois que Tim Burton a laissé sa place à Schumacher. Eh bon, Schumacher c'était d'abord... Batman et Robin, non? Non, c'est Forever. Merde. Forever. Et c'est... Je sais plus comment il s'appelle l'acteur qui joue Batman à ce moment-là. Et ensuite, il y a Batman et Robin, et là, c'était George Clooney. Mais attends, mais il faudrait... Mais... Mais Batman Forever, c'est George Clooney aussi? Non. Sûr? Ah oui, je suis sûr. Je croyais qu'il en avait fait deux. Non, il en a fait qu'un seul. Ah non, c'est Val Kilmer. Voilà Kilmer. Je sais qu'il y avait du Val dans le truc, mais je m'en rappelle plus. Ah, il semblait qu'il en avait fait deux... Non, c'est Michael Keaton qui en a fait deux. Voilà. Après, si on dépasse en 2000, à partir de 2005, donc c'était Christian Bale qui en a fait trois. Après, le Ben Affleck qui en a fait deux dessus. Est-ce qu'il a fait une troisième apparition dans un autre? Je sais pas. Je sais plus. M'en fous. Bah oui, Ben Affleck, trois films. Oui. Voilà, toutes les armes sont au niveau 4 là. Et c'est un étourvel de merde. Et après, il y a Robert Pattinson. Ouais, qui en a fait un. Et qui va en faire un deuxième, j'espère, en tout cas. Parce que c'est la meilleure version oui, du cinéma. Oui, il y a Batman 2. Live Batman. De... Hop. Batman 2 en 2024, je crois. Ok. Mais de toute manière, le meilleur Batman, c'est Kevin Conroy. Dans Mask of the Phantasm, sorti en 93. Ouais, et que je vais le voir au cinéma d'ailleurs. Moi je ne compare pas les films live et les films. Bah, moi si, c'est du cinéma. Animation ou live, c'est du cinéma. Non, pour moi, c'est pas du tout les mêmes contraintes. Bah, même, c'est les mêmes. C'est les mêmes codes, c'est les mêmes enjeux. Oui, mais ce n'est pas du tout les mêmes contraintes.
Ah, c'est bon. Mes parents sont à la maison. Un lever large. Cette nuit, il faisait 6 degrés. Pikachu! Il faisait quoi, tu dis, 6 degrés? Ouais. J'en sais rien, j'étais pas debout. Pas point. En tout cas, à 23h, il faisait 6 degrés. Et ce matin, il faisait frais aussi. Et du coup, j'ai dû rallumer le chauffage. Moi, j'ai pu sortir en hoodie, hein, sans avoir froid, donc. Ah oui, tiens, par contre, petit coup de gueule, parce que je commence à en avoir à le cul, que ce soit toujours le cas à chaque fois que je vais en course. Du coup, je vais à l'Aldi. Je ah oui, vais pour oui, aller chercher. Chez toi, on dit en course. Oui. Chez nous, Pikachu, on dit aux courses. On s'en fout. Ou faire des courses. Et bah, nous aussi, on dit faire des courses. Mais sinon, on dit on va en course. Bah, pas nous. Hop. Bref, et en patois normand, on peut dire faire de l'essence, pour dire mettre de l'essence. On s'en voilà. Nous, on dit faire le plein. Oui, bah ça, c'est tout le monde, ça. Quelle horaire sur Deps, je sais pas. Voilà. Je sais plus, mais je crois que je l'ai, là, je sais portable plus. Portable à feuilleton, oui. Bref, tout ça pour dire que l'effet du répulsif s'est dissipé, machin, etc. Non, moi je vais venir si tu veux. Ça va me sortir. Hop, Pokédex. Donc j'arrive à l'Aldi. Ah bah, mon Pokédex n'est pas du tout rempli en fait là. Est-ce que ça j'ai me que. Ça permettra d'aller chercher du sucre et. Pâté pour chat. Hop. Ouais, et du bah, coup moi, j'arrive et puis sur les caddies là. Ah voilà, donc là il me faut Evoli, Aqualie, Voltali, Pyroli, et puis ensuite il y a Montali. Ah. Il y a Philali. Mm. Donc de sûr il m'en faut au moins 6. Et du coup pour les caddies, il y a 3 files de caddies, et il y en avait 2 qui étaient overbondés, et il y en avait 1, il y avait genre 3 caddies. Et du coup, les gens, ils arrêtaient pas d'utiliser les mêmes caddies et surtout de remettre dans les caddies, à l'endroit où il y avait le plus de caddies, quoi. Vide. Ah oui. Ouais. Et ça, moi, ça j'ai me toujours tue ta que chance les gens, ils sont cons. Dans le sens où je n'ai jamais de jetons sur moi. Ah, et moi je aussi, trouve parce que toujours un caddie qui n'est pas voiture, attaché. Donc, je l'ai. J'ai toujours un caddie qui n'est pas attaché, donc à chaque fois je tombe dessus. Donc, parfait. Ou alors, l'autre coup, il n'y en avait pas qui étaient détachés. Et je regarde par terre, juste à côté des caddies, il y avait un jeton. Ok. Bah là, comme je te disais, donc sur les 3 files de caddies qu'il y avait, il y en avait un qui était quasi vide et les deux autres étaient surbondés. Je comprends pas les gens, comment ils sont cons au point de toujours mettre tes caddies au même endroit, ils se disent pas ah bah tiens on va repartir pour éviter que genre ça bloque le parking, tu sais. À ce compte là on fait tous en une seule file et puis voilà, comme ça on bloque bien le parking, ouais. On est bien content, on met tout le temps au même endroit. Eh ben, j'ai pas que l'Orior. Et du coup, voilà, ça me saoule à chaque fois de voir ça. D'ailleurs, l'épisode de Edward d'aujourd'hui, c'est sur Pokémon, j'ai pas encore regardé. Non plus. Mais c'est prêt, j'ai plus qu'à cliquer. Ouais. Il y a quand même deux fois qui repousse ces épisodes.
Ah non, il a pas repoussé celui-là parce qu'il est sorti. Non, mais pas celui-là. Il a repoussé deux fois celui d'avant, ouais. Non, celui d'avant il a repoussé une fois et celui encore d'avant il avait repoussé aussi une fois. De mémoire, il a repoussé deux fois celui d'avant, mais c'est tout. Non, attends, je regardais. Il y avait Mario. Que les 120 étoiles, c'est chiant. Ouais. Et l'autre, c'était Vice. Oui. Que j'ai pas regardé non plus. Mais je crois que moi, c'est celui de Mario qu'ils ont repoussé deux fois. Non, non, il a repoussé une fois. J'avais été voir sur Twitter l'autre coup parce que je regardais. Je fais putain, on est dimanche, il est où l'épisode? Ça me casse les bonbons, que les étourvoles et des levénards. Surtout que Étourmi, c'est le premier shiny que j'ai eu sur Legend Arceus. Bah, c'est le premier que j'ai eu sur. Bah, les remakes. Bah, sur les remakes. Et c'est le premier Pokémon que j'ai vu sur la remake aussi. Techniquement, non. Oh, ta gueule. C'est toi, ta gueule. Le mec, il réassette pendant 10 heures et après, il dit que c'est le premier Pokémon qu'il a vu. Bah, oui. Bah, oui, c'est pas le starter que j'ai eu. Ah oui, c'est bien que c'est pas le starter que t'as eu. Moi, s'il y a un starter des gènes d'avant que j'aimerais bien avoir shiny, c'est Grucui. Hop. Il est noir avec les flammes bleues, il est trop classe. Hop. Mais là, on va prendre Chouchou Deal, ça va être trop bien. Chacha. Hop. Origin d'Aïti 0. La prochaine fois... Oh bah parce que les crocodiles, c'est original peut-être. Hein. C'est un crocodile mélangé avec un piment. Donc on est en termes de design, il est beaucoup plus différent qu'un crocodile. On... C'est de... Le nom du piment, il n'y a que le nom. Parce que sinon, non, il a rien du piment à part deux petites plantes sur la tête. Hop. Alors pour ça, c'est un chat, il est juste vert. C'est le seul truc qui est différent des vrais chats. Ouais, bah ça se trouve, tu vas voir, la troisième évolution, c'est le tien qui va ressembler le plus à un Pokémon. Bah ouais, on verra. Par an... Oula. Ça, par contre, j'ai tellement hâte. Pareil. D'ailleurs, on se demandait avec Louis hier et je sur pense, le chat. Je pense qu'il y aura quand même Ursa King. Et est-ce que tu penses que tu peux voler les Pokémon des autres? Ou est-ce que chacun aura ses Pokémon sur l'écran? Bah imagine, on joue en multi. Et il y a un shiny, vu qu'on les voit sur la map, et je le prends avant toi. Est-ce que toi, tu vas l'avoir? Non, je pense que toi, tu... Je pense que toi, tu le verras pas shiny, tu vois. Je pense que ça doit être calculé en fonction de chaque console. C'est ce que je disais hier. Moi, je pense que c'est soit ça, soit... soit les Pokémon sont dupliqués. Mais je pense que les seuls Pokémon qui seront dupliqués, donc qui existeront et sur ta console et sur ma console, ce sera ceux qui seront cristallisés, là, les donjons cristallisés. Merde, comment on appelle ça? Terra Cristal? Ouais, Terra Cristallisation, ouais. Et pour tous les autres, ce sera, comme tu dis, je pense, ou si tu as un Shiny, je vois pas forcément Shiny, quoi. Voilà.
Évidemment, le but du jeu, c'est d'avoir un Pokémon Shiny avant. Avant l'autre. Deuxième évoli, incroyable! Avant le charme chroma, enfin avant de finir l'histoire, quoi. T'imagines, je commence et. Enfin, je sais pas si les starters sont Shiny Lock ou pas, parce que vu que c'est la mode en ce moment. Si les starters maintenant ils sont tout le temps Shiny Lock hors remake. Mais pourquoi il s'est réveillé direct là? Il a fait un bruit bizarre là pour la Pokéball. Enfin, l'hyperball. Et 2-1, plus que 39, facile. Ok. Eevee. J'ai encore failli fuir pour rien. Là, j'ai fait de la merde. Ouais, j'ai esquivé un regard touchant, incroyable. J'ai juste fermé les yeux. D'ailleurs, Louis, est-ce que la musique est assez forte ou pas par rapport à nos voix et au son du jeu? Ah putain! Eh putain! Mais c'était sûr en fait! Ça me saoule! Il y a 4 états possibles qu'il peut lui refiler. Et à chaque fois, c'est empoisonnement là, ta mère! Tu n'entends pas la musique? Non. Et là? Oh. Et là? Par rapport à ma voix, c'est pas trop fort, et par rapport au son du jeu, c'est pas trop fort. Baisse un peu. Comme ça? Est-ce que comme ça, c'est bien? Oui, 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 oui! Je baille comme mon chat. Parfait. Je finis pas vu le pain, je goûtais. Tant mieux. Parce que moi tu t'es pas étouffé? Tu préfères quoi? Avoir ton shiny et t'étouffer et mourir juste après? Ou avoir le temps de pouvoir
apprécier ton shiny avant de mourir. Tout, c'est pas cool, ça fait 6 jours. Il y a des gens, je connais des gens, ils ont reset. Ouais, voilà. Donc, je ne sais pas dans quoi tu t'es lancé, mon petit. Ouais, t'en as après, ils l'ont au bout de 2 fois. Oui. Oui, là, au bout d'une heure. Et qui est Jill. T'as dit quoi, j'ai pas entendu. Hop. Hop. Et hop. Il y en a qu'on a. Le reset, ça prend du temps. Mais tout va être sur enculé là. Ça me saoule quoi. Et juste sous prétexte que j'ai tué l'Evoli à cause du fait qu'il s'est empoisonné tout seul, ce gros con. Et que j'avais fait fauchage, donc du coup voilà. Ça réduit les probabilités de continuer à 83%. Donc il y a toujours 83% de chances que ça continue, hein. Mais bon, c'est pas grave, hein. C'est comme si c'était 2% en fait pour le jeu. En fait, j'ai pensé à toi en course parce que j'ai acheté du beurre pas salé. J'ai acheté du beurre moulé doux. Hein, Jouzo ? Ouais. J'ai dit, j'ai pensé à toi en course parce que j'ai acheté du beurre moulé doux. Pourquoi du beurre moulé tout ? Bah du beurre moulé. Oui. On fait super bien quoi. Puis doux, bah ça veut dire pas salé quoi. Mais c'est nul. Je sais bien, c'est pour ça que... Pour prendre du beurre demi-sel. Je savais bien que t'allais me dire ça, c'est pour ça que j'ai pensé à toi qu'au moment où je l'ai pris dans le magasin, je me suis dit, ah ouais, ça t'a fait penser à moi pour l'inverse. Voilà, de exactement. Ce que je... Exactement. Ah, j'ai eu peur. Ah. Évolue ! Sors de là ! Je sais où tu te caches ! Et là, t'entends un Évolue au bout des... à l'autre bout des herbes. Ta gueule ! Si tu te trompes, tu me dois 10 euros. Hop là. Allez, c'est parti. Intimidation, on s'en fout. Et
Oula, si ça fait 10 euros des voulis, là, ça fait 80 euros, là. Oh là là, tu sais, hier, je t'ai dit... avant-hier, je t'ai dit que j'avais fait un truc dans The Witness... Où j'avais eu un trophée où il n'y avait eu que 4,8% de gens qui l'avaient fait, et que c'était un challenge, c'était compliqué, c'est un truc aléatoire ou pif machin, en course contre la montre et tout. J'ai regardé la rediff de Bruce d'hier où c'est justement ça qui fait, mais qu'est-ce que c'était laborieux! Parce qu'il était. En fait, c'est ça le plus grand défaut de Bruce, c'est qu'il est. Focalisé sur un truc, et quand en fait il pense que ça c'est comme ça, et ben il va pas en démordre pendant au moins une bonne demi-heure avant de se dire « Eh mais en fait si ça se trouve, j'avais faux depuis le début et en fait ça veut dire autre chose. » Waouh. Et du coup, là, il s'obstinait à faire des puzzles qui n'étaient pas faits pour être faits, en fait, parce que tu pouvais littéralement pas les faire. Mais il s'est obstiné à essayer de les faire de manière tellement chronophage. Alors que c'était juste des puzzles qui étaient là pour indiquer le tempo du compte à rebours. Oh, ça sert à rien de le call là, il veut pas de moi. Hein. Vu qu'il arrête pas de me chier dessus. Je vais pas le forcer alors qu'il veut pas venir quoi, tu sais. Hop, et ce fut le dernier message que Louis écrivit dans le chat. Il ne fera à présent plus que faire CTRL-C, CTRL-V, entrée. À chaque étourvel qui apparaîtra. Non mais après. Tu vois. Non mais après. Non mais en fait je voulais dire après. Non mais je me suis trompé d'une virgule. Waouh. Non, sérieusement, tu vois, là.
Ça s'appelle plus un call hein, si tu le dis à chaque rencontre. Je sens pas aujourd'hui. Ah, c'est vrai, je vais oublier. De quoi? Le C8, C17 de l'éveiller, mais du coup, ça me fait ma mission. Moi, c'est. J'ai fait. Que je te dise quel Pokémon, quel carte j'ai éveillé. Ouais, Pokémon, hein. Quel Pokémon j'ai éveillé. Pokémon. Je suis fatigué, ok. J'ai pas de Discord, oui. J'ai éveillé Shaoman. Parce que je me suis rendu compte que je l'avais pas, toujours pas éveillé, même en éveil de canne, et du coup, bah, je l'ai pris de zéro to héros, on va dire, littéralement. J'ai pas de Discord, je t'ai dit! Oui. Ta mère. Tu vas chasser Colorior en Pokéradar ou tu essaies de l'avoir pour ton Pokédex? T'as vu la vidéo de John Jonan d'ailleurs en fait de Zouzou plus l'invocation. Ouais. Il a fait ce que je t'avais dit que je pensais qu'il allait arriver à moi. Ouais. Mais ça me... Alléluia! Il existe! Incroyable! Ça me conforte dans l'idée que je n'invoquerai toujours quand même pas. T'as même pas fait le premier cycle? Non. Ok. Ah non, j'ai. Il y a que deux cartes que j'ai pas, c'est tout. Sinon, tout est fou. Et puis même la carte m'intéresse pas. Bah, moi, il me manque Super Vegeta aussi. Et. Voilà. Gandalf, arrêtez de vous battre. 2, 3,
reviens, mes chats se battent. Quoi, un coup en même temps. Salut Mox, bienvenue, comment vas-tu? On chasse du Divoli. Spore. Il arrive, il est parti chercher quelque chose. Ouais, je suis parti chercher à boire et je suis allé séparer mes chats qui se battaient. Allez, hop là. Maintenant, faut charger dans ta gueule. Hop. Moi, je suis fatigué. Et puis voilà. Et après, tu dis que ça fait longtemps. Je t'avoue, je me rappelle plus de ton blaze. Alors, est-ce que t'as changé ton blaze entre temps? Ah, cache critique. Ok. Je resitue. C'était autour de la chasse de Bacabou, non? Qu'un artichaut de galard, ok. Bah, qui était un des magnifiques calls que j'ai fait. Et qui s'en est suivi du... L'Arméléon légendaire. Et voilà. Bon, ma caméra, elle a pas eu l'air de... Elle a pas l'air de vouloir s'adapter à la lumière que j'ai mise, là. Scintillante. Mmh.
Et c'est reparti pour une flopée des tourvoles. Du coup, on a bien eu que 3-4 Evoli hein, sur la chaîne d'avant. Là. Enfin, la chaîne. Est-ce qu'on peut appeler ça une chaîne quand... Le petit groupe d'avant. Bah, hier, quand t'es parti. Droppé. Enfin, j'ai droppé. La chaîne, elle a cassé à 1. Donc, ouais. Hop. 8. Imagine là, première fois que je lance le Poké Radar, là, il y a une arme qui brille. Et c'est un Evoli. Non, c'est un Levenard. C'est sûr que c'est un Levenard parce que... Ça va être un petit crachou. Parce que le Levenard il arrête pas de me taper, mais de me tuer. Oh, moi je reviens à bon. On a une des deux conditions que j'ai annoncées, c'est déjà pas mal. J'ai réussi à trouver un Evoli en 5 minutes seulement, c'est fou hein. J'ai dit à toutes. Hop, à toutes. C'est bon, j'ai le droit de manger est-ce que j'ai trouvé un Evoli en 5 minutes. Et tchou. Tchou. Hop. Bien, me revoilà tout seul. Avant que le jeu sorte, tu fais quel jeu exactement? Parce que si tu fais ce jeu-là, le charme chroma il sert à rien. Les remakes 4G. Attaque sport. Vive attaque, il va s'empoisonner. Waouh, coup critique, incroyable. Endormi. Eh ben voilà. Tu vois, quand tu veux, jeu de merde, tu peux me donner de l'avantage. Ce jeu-là, donc les remakes. Bah ça sert à rien, ouais. C'est... Il marche que sur Masuda. Tout le reste, le charme chroma n'a aucun effet. Donc là on a un, on est d'accord hein. Et oui. Attaque sport. Il est endormi. Hop, fauchage. Et on capture. Hyper balle. Cache critique. J'avais en plus, j'allais le dire. Point, point. Et de deux. Ça continue, incroyable. Est-ce que c'est celle-là, la bonne chaîne? Oh mon dieu! Ah bah, 3 IV, donc... le son était à propos, même avec une seconde de retard. Mais quand même à propos. Mais bon, ça marche pour... Hop, pour le fait que la chaîne elle continue. T'arrives pas à avoir le badge de la troisième arène? Comment ça? Pip. Fauchage. Du.
Hop là. C'est laquelle la troisième arène? T'arrives pas à tuer Lucario? Ok. Ben, level up. Après, pas trop pour que tes Pokémon t'obéissent toujours, mais... Après, Lucario, c'est quoi? C'est un type combat? Pap, 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 pap. Il est faible contre Spectre, je crois. Je sais plus. D'ailleurs, toujours pas réussi à avoir Lucario Baron Shiny sur les gens d'Arceus là. Éco critique incroyable. Hop, hop. Un, deux, trois. Et voilà. Moi, je m'en rappelle plus. Hein. J'ai vraiment poncé Legend of Arceus. Donc, les remakes, je les ai pas trop poncés. J'ai juste fini le jeu. J'en ai chié contre le Karchakrok de la Ligue. C'est tout ce que je sais. Maintenant... J'ai un Karchakrok Baron Shiny. Donc c'est moi qui terrorise tout le monde. Point, point. Attaque. Oui. Sport. Il dort. Attaque. Fauchage. On le fauche et on récupère son âme grâce à une Pokéball. Enfin, une Hyperball. Hyperball. Je suis fort jouasse. Les gens qui sont team chaîne de 17 et puis reset à l'infini. Voilà quoi, même 17 j'arrive pas à y arriver quoi. Ah ouais, il y a autre saut. Faudrait que je mette un autre truc parce que... Mais c'est nul! Hop. Et hop. Et c'est pas un Evoli, incroyable! Oui, ça a cassé, oui. Ma magnifique chaîne YouTube, incroyable. Fuite. Bout de 4. Bout 5.
Tout de même, tu te doutes bien que en 2 secondes, j'ai pas eu le temps de faire monter la chaîne jusqu'à 40, quoi. Elle est revenue sur sa chaise. Fuite. Sérieux, GG. Ah, tu vois, il fallait pas désespérer. Regarde, je te fais un son. Incroyable, capitaine. Hop. Hop. C'était pour sa réaction. Bah voilà. Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? Au final, c'est toi qui as le seum, puisque c'est pas le cas. T'as compris? Tu chasses Giratina, pas Palkia. Hop. Et hop. Tour vol de merde. Il est perché tout là-haut, lui. Evoli ! Incroyable ! Jusqu'où va-t-on monter maintenant ? Sport, il est endormi, incroyable. Attaque, fauchage. Pouk. Hop, 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 barbatroc, hyperballe. Non, il n'y a pas assez de monde qui me suivent pour que ce soit pertinent d'avoir un serveur Discord. Mais tout le monde n'a pas demandé un depuis tout à l'heure aussi, là, donc... Poink, poink. Attaque, sport. Il s'est endormi. Attaque, fauchage. Hop. L'air profondément, c'est peu quoi faire. Et je capture. Cache critique en plus. Allez. Et 2-3, incroyable. Mais oh là là, la chaîne va peut-être casser. Tu te rends compte, 93% de chances que ça continue, c'est pas beaucoup. Ah non, c'était le deuxième en fait. Le mec complètement confiant. Oui, oui, c'est le 27ème. Allez, spoiler. Hop. Hop, fauchage. Sachant que ça prenne 3 tours à chaque fois pour le capturer. Hein. Enfin, minimum. Hyperballe.
Voilà, c'est le troisième. Là, on rigole plus, c'est pour de vrai cette fois-ci. Là, on va jusqu'à 40, même 50, parce qu'on va capturer après les 10 shiny et tout. Si, si, je te jure que si. Pimp, pimp. Attaque sport. Il s'est endormi. Attaque, fauchage. Fauchage. Hop, X, hyperballe. Bloup, bloup, bloup. Coup de boule de Pokéball. Et c'est bon. H6. Touché coulé. Où ce piège? Hop. 1, 2, 3, 4. Et... attaque. Sport. Hop, putain, le mec, je vais faire du sport et puis il s'endort. Hop. Hyperballe. Cache critique. Allez, c'est dans la boîte, ça. C'est dans la Pokéball. Putain, elle est cramée à l'écran. Que ma caméra ne pas se mettre à jour sur les ISO. Et là ça continue. Bien sûr que ça continue. On va jusqu'à 50 là, minimum ici. Endormi. Merde. Ouh, la fausse manip. Fauchage. Hop là, hyperballe. Si ça casse à 6, tu fais quoi? Bah je te banne, def. Ha! T'as eu peur, hein? T'as sué du cul, là, hein? 1, 2, 3. Non, c'est 3, mais par contre, j'ai quand même fait 4 dans l'autre direction. Allez hop, un peu de sport. Hop. On le fauche. Comme les blés. Et hyperballe. Sbra. Ah, c'est con, t'as chopé le moins bien de tous. Avec les points de gêne. Pédédédé. Il y en a un spécial pour les shiny d'ailleurs. Il y en a un pour les shiny. Il y en a un où c'est mon chat trop cool. Il y en a un pour me porter chance qui est mon seul émote animé pour l'instant. Et il y a trop de tox que je t'ai déjà montré hier. Et il y a le seum de t'es froid. Et toi, t'as juste eu un emote tellement pourri qu'il est même pas sur mon stream deck. Bon, en vrai, il est pas pourri, c'est ce qu'il faut que je refasse quoi. Il est pas assez lisible.
Spire. Hop. Plage. Hop. Hyperballe. Hop, moi j'en ai un. Ah ouais, mais bon, tu deviendrais sub, tu les aurais tous. Hein. Vous avez attrapé Evoli. Poink poink. Hop. Oh, le petit talent caché en plus en zone 4. Putain, j'ai eu peur. Du coup, ça me dit un message. Non, en fait, on n'a pas envie que vous affrontiez ce talent caché. Du coup, il disparaît. Un peu de sport, un peu de fauchage. Et une hyperbole. Hop là. Pim pim pim. Bonsoir Zelti. Hop. Bienvenue, comment vas-tu? Bienvenue dans cette chasse incroyable d'Evoli. Où tu arrives pile poil sur la bonne chaîne qui va monter jusqu'à 50 et des bananes. Et où du coup on est sûr d'avoir des shiny. C'est obligé, c'est cette chaîne là. C'est 100% garanti. Moi je suis fatigué. Je peux largement être mieux que maintenant. Et du coup, qu'est-ce qui t'arrive pour que tu sois en pleine forme et en pleine. Sport. Coup critique. Garantie argent remis. Hop, ouais, garantie remboursée. Hop, non, avec le sommeil, il faut que je le fauche. Je le fauche. Hop, et hop. J'ai eu un légendaire shiny en même pas 20 resets. Alors, Louis, t'as le seum? Tu vois, c'est ça que t'as essayé de provoquer chez moi tout à l'heure. Sauf que moi, je m'en bats les couilles. Mais je vous nique tous. Moi, j'ai eu un baron shiny en 2 resets sur les gens d'Arceus. Seulement 2. Je vous nique tous. En plus, c'est Giratina aussi. Trop bien. Trop bien. En fait, t'es venu ici exprès pour foutre le seum à Louis. J'aime bien le projet. Tu vois qu'il était pas prévu que tu chasses Giratina ou que tu le drops en 20 reset? Parce que oui, je pense que c'était pas prévu. On prévoit jamais quand est-ce que ça tombe. pourquoi tu me saoules, petit Evoli? Je te rappelle que tu as plus que un PV, que tu peux t'empoisonner si tu me touches, donc que tu vas vite rentrer dans cette Pokéball et arrêter de faire le cancre. Mais tu vas arrêter, oui! Tu rentres dans ta Pokéball! Bon, tant que ça reste de regard touchant, c'est pas grave, hein. T'es cassé, tu réussiras à l'avoir. L'année prochaine, peut-être. Hop. Hyper beau, là. Voilà, merci bien. Dissidence. Interrompu.
Oh putain, il y a encore un talent caché, mais il est pas dans une 4, donc rip. Surtout à 11. Attaque, un peu de sport. Bien endormi. Attaque, fauchage. Zbla. Hop, et hyper balle. Cache critique en plus cette fois-ci, il y a pas à faire son dissident. Ok, c'était bizarre la fin de la musique là. Un peu tricky. Attaque, un peu de sport. Ok, il est paralysé. Hop, fauchage. Voilà. T'es paralysé. Et hyper balle. C'est bon, j'ai prié pour toi. Ça y est, posé un cierge à l'église. La gravité de l'heure. What the fuck. C'est bon. C'est le 14e. Eevee. Sport. Du coup, j'aurais quand? Du coup, la poste, elle t'a dit quoi comme délai de livraison? Hyper balle. Dans les 2000 prochains reset. Je sais toi, Louis, je skipperai les 1999 resets et je ferai directement le 2000, le 2000ème. Comme ça, bah hop, tu l'as et puis c'est bon. Attaque, spoiler. Fauchage. X hyper balle. 1, 2, 3. Et voilà. Pimp, pimp. Au-dessus. Et hop. Il me manque plus que Palkia pour avoir le trio en shiny. Mais j'ai plus de Nintendo Online, du coup rip. T'es en train de dire que tu l'as eu sur Pokémon épée bouclier en... Hop. Non, est-ce que c'est en reset? Ouais, est-ce que ça compte comme des resets? En
en raid Dynamax. Hop, parasport. Page. Hyper balle. On revient au milieu, c'est mieux. Parasport. Mais de où il est 8 attaques ? Parasport, voilà. Hop, fauchage. Et hyperballe. Moi, 17. Hop, 1, 2, 3, 4, et voilà, hop. Mais je t'ai dit, on va aller jusqu'à 50 minimum, c'est sûr. Je te dis, c'est celle-là, c'est cette... pour toutes les fois, il va chier dessus depuis hier. C'est sûr, c'est celle-là. Merci pour le follow, Zeltis. Et je sais pas si ça s'est bien entendu ou pas, les sons de sub et tout ça, enfin de follow et tout ça. Avec la musique, il faudrait que je trouve le moyen de séparer les pistes audio pour être sûr de mettre le paquet du son là-dessus. Alors, attaque, parasport. Hop. Non, pendant les 2000 resets actuels. Attaque, fauchage. Ah putain, il a pas été paralysé. Rentre dans la boîte tout de suite. Évidemment. Ok, il a pas eu, ça a pas proc mon talent, tant mieux. Catch critique! Cette fois-ci, tu rentres et puis tu fais. T'arrêtes de faire ton dissident! Voilà! Et hop! T'es pas méchant à ce point-là! Après, c'est un call, hein. C'est le jeu qui décide, c'est pas lui. Hein. Hop, attaque, parasport. Cette fois-ci, tu marches parce que j'ai un peu plus que parasport. Il est. Mais de où tu es vite? Je suis niveau 100 et niveau 18. Ok, c'est bon. Hop, hyper balle. On arrive bientôt à la moitié de la chaîne. Hop. Enfin, à la moitié de là où on doit arriver pour commencer à avoir des shiny rapidement. 1, 2,
2, 3, 4. Yumi. Pimpoink. Pour quoi faire? Eh ben pour faire parasport. Qu'il évite encore. Parasport. Ok, c'est bon. Non, j'ai failli. J'ai lancé une brume, mais non, pas maintenant. Fauchage. Hyperballe. Cache critique. Allez, c'est bon. On est à 20. On retourne au milieu. Oui, il faut être à 40, oui, c'est ça. C'est pour ça que je disais qu'on est à la moitié. Hop, de l'objectif pour avoir des shiny. Attaque, passeport. Hier, j'ai une chaîne qui s'est cassée juste après 40. J'ai capturé le 40e et le jeu il m'a fait chut. Hop. Paralysé, ok. Fauchage. Mimiqueux, je m'en fous de ton mimiqueux parce que je te capture. Hyperballe. 1. 2. 3. Et bim. Attends, je vais me remettre sur cette page là. De mon stream deck parce que des fois qu'il arrive des trucs de ouf. Genre là, imagine là, il y a une herbe qui brille en zone 4 dès maintenant. Il va falloir que tu imagines beaucoup. On va aller le prendre là. Là, ça devrait être bon pour la suite. J'ai failli faire la grosse connerie de fuir par réflexe. Hop. Paralysé, mais il a quand même fait mimi-queue. Non, mais tu peux pas me paralyser comme ça. Regarde ma queue, comment elle est trop mignonne. Hop. Ok, d'accord, j'ai esquivé un peu mon suffeur qu'on m'agitait sous la gueule. Incroyable. Hyperballe. Cache critique en plus. On fait pas les choses à moitié ici. De 7 de l'évoli. Ok. Hop, 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 hop. Barbatroc. Celle qui se voit. Hop, parasport. Ça c'est fait. Hop, fauchage. Donc là c'est 23ème. Imagine le prochain. Là elle brille pas, mais il est quand même shiny. Oh, t'es sérieux? Je conteste, monsieur l'arbitre. Il y a tricherie là. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Il essaie de tricher et voler, vas-y là. Waouh, ça m'affichait 5 joueurs, ça s'est retombé à 2 direct. 23. 1, 2, 3, 4. Hop là. Non,
Non, bon, elle est pas shiny. Parasport. C'est ça, Mikish. Hyper balle. Vingt-cinquième. Hop, 25 du coup, on va aller chercher le 26e, il me semble hein, que c'était ça. Bouchage. Et hyper balle. Tu clash critique. Qu'est-ce que c'est plus simple quand tu peux capturer facilement le Pokémon que tu chasses avec des Rapid Balls. T1, tu fais Rapid Ball et voilà, c'est bon. On n'en parle plus. 1, 2, 3, 4. Hop. Presque 2 heures de stream d'ailleurs. Attaque par sport. Il aura du mal à attaquer. Mais il peut quand même cracher du sable. Au charge. Hyper belle. Je vais faire croire que j'ai attiré un shiny que je pars alors que non. Ok. Hop, attrapé. Ok, je lui dis pas. On arrive bientôt aux 3 quarts. Des 40 réglementaires pour avoir des shiny par milliers. Attaque. Parasport. M'en fous, moi je fais parasport moi. Attaque. Faux charge. Et hyper balle. Ah bah il est pas là. Bah voilà. Bon, moi c'est plus simple. Ça t'empêche de mentir.
Au moins, tu vois, tu restes quelqu'un d'intègre, tu vois. Et 2 heures de stream. 2h01 même. 1, 2, 3, 4. Pour le 29e. Evie! Attaque. Passeport. Hyperballe. Non. Hyperballe. Dans la zone 4 quand même là. Et il a des IV, c'est normal, parce que c'est le 30e. Il a 3 IV garantis. Attaque, perd un sport. Qui veut bien me donner un Pokémon au level SVP? Qu'est-ce que tu appelles au level? Moi, je suis en pleine chasse, hein, donc en pleine chaîne, donc je ne fais rien qui pourrait compromettre ma chaîne. Casque, j'ai tous mes shiny. Hyper balle. Cache critique. Critical catch. Amazing. Non, je vais jusqu'à 50. Parce que j'ai jusqu'à 40 pour ensuite prendre au moins 10 Pokémon Shiny. 10 EV Shiny, donc ça fait 50 en tout. Hop. Et hop, 31. Salut Gamer, comment ça va de Pierre? Parasecte, regarde, faut tout lui dire à ce Parasecte, hein. Voilà. Alors que la strat, elle est simple, c'est tu paralyses ou tu endors, ensuite tu fauches et ensuite hyper mal. Hyper mal. Cache critique encore, 2 fois de suite. Alors... le 32e, 1, 2, 3, 4, très bien. Et la bim est shiny. Non. Hop, parasport. Ti. Plus au level que 40. Plus au level que 40. Quoi? Parasport. Ah, il est déjà paralysé, j'ai fait de la merde, j'ai perdu un tour pour rien et surtout j'ai perdu. Hop, une utilisation de parasport. Hyper balle. En tout cas, ça sert à rien qu'on passe un Pokémon au level si tu pourras pas le contrôler avec les badges, et à cause des badges que tu n'as pas,
et que du coup tu perdes quand même. Ploup, ploup, ploup. Hop. D'ailleurs, je suis en train de me dire, mais dans la prochaine gen, normalement, on pourra faire les arènes quand on veut, dans l'ordre qu'on veut. Mais j'espère qu'il n'y aura pas le truc de badge pour contrôler des Pokémon au level, parce que qui nous obligerait à faire les arènes quand même en temps et en heure. Moi, je veux faire toute l'aventure, mettre tous mes Pokémon niveau 100, et ensuite on va faire les arènes. Et le champion d'arène, c'est un vrai champion avec 6 Pokémon niveau 100 chacun, quoi. Que ce soit vraiment la difficulté et tout, que ce soit des vrais champions d'arène et pas juste des PGU qui ont que 2 Pokémon niveau 18 sous prétexte que c'est la première arène, quoi. Expédition et starter au taquin sur Ultra Soleil. Et bien, bonne chance du coup, Argamer. Ok, il s'est paralysé tout seul. J'aurais pu gagner un tour si je l'aurais prédit. Je l'avais prédit. Hop. 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 Hyper balle. Cash critique encore. Ta ta pa 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 pa. Voilà, vaut mieux prendre celle-là, sinon les autres là-haut, c'était la mort assurée de la chaîne. Parasect. Viens là, mon petit Tivoli. Je vais te manger et te disséquer avec mes pinces. Ok. Hop. Fauchage. Ou critique. Ok. Et hyperballe. Bizarre un peu. J'y peux rien, c'est Parasect, hein, il est comme ça, hein. C'est sa personnalité, je le connais très bien. Voilà, tu vois, je l'ai eu niveau même pas 30. Là, je l'ai monté jusqu'au niveau 100, donc tu vois, on a fait un bout de chemin ensemble, tu vois. Donc je le connais, il raffole des Evoli, il aime bien les bouffer. Voilà, après chacun son truc, hein. Qui tu es pour juger, quoi. 1, 2, 3, 4. Ping boink. Parasport. Hop, fauchage. Et hyper balle. Pas vraiment, non. C'est un crabe champignon. Les crabes araignées IRL, ils sont hyper grands, mais ils ont pas un gros champignon sur le dos. Ils ont des pattes beaucoup plus grandes. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Non, 1, 2, 3 seulement. Donc le seul qui a 4, c'est celui qui est en haut. Pour le 36e. Et voli. On va enfin pouvoir commencer à avoir du shiny, hein. Parasport. Mais non, ça cassera pas, je t'ai dit que là c'est la bonne c'est la chaîne qui va jusqu'au bout, elle casse pas. Hop. Elle cassera pas avant d'avoir tous les shiny dont j'ai besoin d'Evoli.
Hop, hyperballe. Et de 1. Et de 2. Et de 3. Attrapé. Merci pour ta luck. En plus, avec le charme chroma. Titi. Je vais aller retourner au milieu. 1, 2, 1. Je vais plutôt aller là. 1, 2, 3, 4. C'est pour être sûr d'avoir 4. Moi, mon émote de chance, elle ressemble à ça. C'est une émote animée. On voit pas très bien, mais il y a marqué Flagala dessus. C'est... Flagala, c'est le. Hop. Le mot magique sur ma chaîne, en fait. Avec ça, on fait des miracles. Il est paralysé, fauchage. Hyperballe. Hyperballe. Ouais, hyper. Ouh. On verra. En tout cas, c'est sûr que ça va marcher, donc... Oh, le piège à con ! 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Hyper vitesse, oui, c'est ça. Attaque. Paraspor. Plus de paraspor. Page. Cache critique. Et bim. Donc là c'était le 37ème il me semble. Ou le 38, je sais plus. Tété 38ème déjà. Numéro 4, il n'y a pas de suspense, c'est celui-là. Utiliser sur lui, sur sport. Hop, ça c'est pas grave. Non, hop, attaque sport. Hop, il s'est endormi. Couchage. Ok, et hyper mal. Cache critique. Et voilà. Et donc là, on est à 39. Plus que 1 et on va pouvoir enfin commencer à reset le poker radar jusqu'à avoir des shiny. On va enfin passer à la partie rigolote de la chose. Alors, hop. 1, 2, 3, 4. Il a des IV, c'est normal. C'est le 40ème. J'ai disparu mais je reviens. Ne vous inquiétez pas, je suis un professionnel. Poing poing poing. Attaque sport. T'es endormi. Rage. Hop, hyper balle. Et c'est réglé, envoyer c'est pesé. Ah, c'est pas du critique par contre. 1, 2, 3,
Voilà, à partir de maintenant, objectif minimum 6 shiny. Imagine, tu as le shiny en même temps que moi ou l'inverse. Donc là, on a 40. Là, il n'y a pas le shiny. On n'a plus qu'à reset le Poké Radar. Donc on fait... Oula, il m'a fait des feintes, là. Ouais, répulsif, je le remets, c'est important. Donc là, on peut enlever le Poké Radar, la Pokémontre pour l'instant. On recharge. Et le but aussi, c'est d'avoir l'herbe qui brille sur la quatrième position, en fait. Donc là, j'ai une chance sur 25 qu'une des quatre herbes brille. Non, j'étais même pas au joystick, j'étais à la croix directionnelle, du coup, j'ai pas compris pourquoi ça a fait ça. Hop. Non, une chance sur 25. Pi-ti-pi. Oui. Lui, pas encore. Oui, il y a eu un petit... Hop. Oh, le piège à con! Hop là. Attends, je vais faire juste un truc vite fait. Sac. Je vais mettre une huile max. Sur fauchage. Et une huile. Sur. Parasport. Là c'est con parce que c'était tout en zone 4 là j'ai l'impression, sauf peut-être celle-là. Il y aurait une qui brille, c'est cool. En tout cas, on est sûr d'avoir au moins un shiny cette fois-ci. C'est pas comme hier où le jeu il m'a dit va te faire niquer. Hop. Hop. Il parlait du Poké Radar de Remake LG et il voulait pas admettre que c'était 1 sur 25 pour le taux. Bah, il est con, qu'est-ce que je te dis. C'est une chance sur 99 pour chaque herbe qui bouge, donc ça fait une chance sur 25, même un peu moins d'ailleurs, parce que c'est une chance sur 99. Donc 99 divisé par 4, ça fait 24, des bananes. Mais bon, on arrondit à 25. Hein. Hop. Et du coup, c'est comme si tu avais 4 chances sur 99 à chaque fois que tu relances le Poké Radar, quoi. Donc, hop. Et voilà. Tu.
Bon, je sais qu'à chaque fois je fais trop de pas pour le reset, mais. Putain, mais les pièges à con qu'ils essaient de me faire là. Après, j'ai beaucoup de repousse max, donc. Osef. Heureusement qu'il n'y a pas de Chenny, parce que là, elles étaient toutes trop proches de moi, là. J'avais qu'une seule chance sur 4 d'avoir le Chenny dans la bonne zone. Toujours pas. Merde, si ça brille pas en zone 4, je prends pas. Hein. Je préviens. Je me suis trop fait chier à monter cette chaîne jusqu'à 40. Pour la laisser filer parce que ça brille à deux de moi et que j'ai la flemme de reset. Encore, j'en aurais déjà 12 de Evoli Shiny. Ok, ou 12ème, je me dis, bon, allez, je commence à prendre peu importe lequel. Hop. Et en quoi est-ce important que tu nous donnes ton âge? Ça brille pas. Je sais pas. En plus, en plein milieu d'une conversation qui a rien à voir. Hop là. Non mais je t'ai dit, tu as une chance sur 25 d'avoir un Pokémon Shiny en faisant du Pokéradar sur les trucs. Au fait, j'ai 14 ans! Et du coup, je te jure, hein, une chance sur 25, c'est fou. Hein. C'est quand même le meilleur moyen d'avoir des Shiny. Hein, Hop. Hop. Bon, j'aurais pu reset deux fois là. Et je sais que je fais trop de pas, mais à chaque fois j'arrive pas à me dire c'est bon, j'en ai fait assez. Hop. Tété. Padabé. Allez, allez. Ça veut pas briller. Hein. Ça ne fait pas briller. Nous avons les moyens de vous faire briller. Oh là là, mais quel enfer. Ti-ti-ti-ti-ti. Boum-boum. Boum-boum. Un, deux, trois, soleil. Le soleil s'est pas levé. Et en plus en zone 4, oui.
Allez, premier shiny. Oh mon dieu, un shiny incroyable! Oh, je suis sur le cul! Oh, il brille! Waouh! Merci! Pour le GG! Comme par hasard, je dis. Exactement. Hop. Hop. Dors profondément. Une baffe derrière la tête. Ah, t'as eu plus de chance que lui pour l'emote avec les points de chaîne. Et hyperballe. Bon, maintenant faut que ça continue, hein. C'est pas tiens, un shiny et casse-toi, tu vois. Poink poink. Ok. Or, il y a un piège à con juste à côté, mais ok. Et c'est reparti. Donc, et 2-1. Donc là, on a au moins 2 shiny. Objectif minimum 6. Hein. Bah, il faudrait que je revoie. C'est quoi toutes les évolutions d'Evoli là déjà? Sachant que je veux aussi un Evoli de base. Donc ça fait Evoli, Noctali, Nymphali. Ces deux-là, je les ai déjà. Mantali, Pyroli. Donc plus Evoli, voilà. Voltali. Aquali, j'ai dit ou pas? Non, je crois que j'ai pas dit. Hop. Deuxième en seulement 4 resets. Et il est aussi en zone 4. Allez, c'est parti. Salut du coup, merci d'être passé. Hop, et toi aussi, bonne chasse. Hein, du coup, bon reset. Parasect. Ouais, c'est vrai que là, je suis chanceux pour l'instant. En tout cas, j'avais dit hein, que c'était la bonne horde, hein, que cette fois-ci... Enfin, la bonne chaîne. Que j'allais avoir les... Il s'est endormi. Maintenant, un petit taquet derrière la nuque. Peu. Il dort profondément. Peuh. Je vais t'apprendre à dormir, moi. Hop, hyper balle. 3. Deux sur 6. Ça continue. Alors, Evoli, Aquali, Voltali, Pyroli, Noctali, Montali, Givrali, Givrali et Filali. Il m'en faut 7 en fait. Il m'en faut 7. Evoli, Aquali, Voltali, Pyroli, Mantali, Givrali, Filali. Il m'en faut 7. Donc 2 sur 7. C'est vrai que Givrali, j'y pense jamais. Hop, merci pour la liste en tout cas. Bon, pour l'instant, j'ai eu de la chance. Les deux shiny étaient en zone 4. D'ailleurs, est-ce que... Non, je vais en prendre 8. je vais en prendre au moins 8. Parce que, imagine, dans la 9G, il y a une nouvelle évolution pour Evoli. Et ben, hop, j'aurai déjà l'Evoli shiny pour le faire évoluer sous cette nouvelle évolution. Et imagine, c'est type spectre. Alors là, mais là, je jouis. Tout simplement. Repousse Max. Ah ouais?
En même temps, la dernière évolution d'Evoli, c'est Nymphali, du coup, c'était dans la 7G. Donc là, c'est la 9e. On a le droit d'espérer une nouvelle évolution. C'est la première fois qu'il y en a deux d'un coup. Et il n'y en a aucune zone 4. Est-ce que je risque la zone 3? Non, je pense pas. Je pense pas, mais... Voilà, bien joué. Le jeu, pour essayer de me faire douter, je fais un clip. Voilà. C'est la première fois que ça m'arrive, mais j'ai déjà vu que ça arrivait à d'autres. Hein. Mais... aucune en zone 4, malheureusement. Ah, mon casque me dit qu'il faut que je le recharge. Donc je risque pas. Voilà, tant que j'en ai pas 12, je risque pas. Putain, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il allait rester. Hop. Hop. Je sais pas si t'avais déjà vu, mais il y a Ken Bogard, d'un coup il arrive, il dit « Ah, il faut que j'aille dans ces herbes-là pour aller chasser tel truc au Poker Radar. » Il arrive sur place, il se met dans les hautes herbes, il appuie sur le truc, et j'ai une herbe qui brille. Direct. Et c'était un topiqueur. C'est pour ça qu'il l'a appelé comment? Il a dit... Trio Piffer, un truc comme ça. Ouais, mais c'est comme la 9G, la 8G déjà. Maintenant, Ishani lock les starters. C'est comme en général, les shiny sont shiny lock parce que vu qu'ils apparaissent sur la jaquette, ils veulent pas que les enfants ils soient déçus d'avoir pas la bonne couleur et qu'ils pensent que le jeu il est bugué parce qu'ils savent pas ce que c'est que shiny. C'est plutôt que d'éduquer les gens à ce que c'est qu'un shiny, ils préfèrent le shiny lock à donc punir tous ceux qui chassent et qui savent ce que c'est qu'un shiny quoi. Eh, tu sais quoi un shiny? Ouais. Regarde, Shiny, comme légendaire, Shiny, comment il est trop beau. Ouah, trop bien. Ouais, tu pourras pas l'avoir, par contre. Faudra attendre les prochains jeux. Quoi? 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 Comment ça? Temps caché, mais je prendrai pas. J'ai jamais eu de temps caché qui brillait. Et puis voilà. Tu vas prendre quel starter toi du coup pour un objet? Hop, moi c'est Chocho Deal tous les jours. Ah là là. Aucune originalité sur 20. Ah putain, le piège à con. Hop. Il y a qu'un seul truc que je trouve classe par rapport à ce Pokémon là, c'est que il y a des fans qui ont théorisé les évolutions et qui disaient que la dernière évolution en fait c'était un arbre à chat. Là, je dis pourquoi pas, ce serait une bonne idée. Hop. Mais je pense pas qu'il fasse ça pour un starter. Hop. Il y en a aussi qui ont dit que coiffe-t-on, genre, c'est un Popeye. Ce sera un marin bien musclé en dernier.
en dernière évolution. GG! Je vais enfin pouvoir avancer dans le jeu. Pam, 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 pam. Sacha, Abacha, Abacha. Ouais, c'est ça. C'est ça qu'il disait. Je trouve l'idée cool. Mais on verra, hein, du coup. Moi, c'est un de mes plaisirs quand je commence à jouer au jeu, c'est de voir les évolutions de mes starters. Même de tous mes Pokémon. Hein. Donc là, je ne me spoilerai en rien de rien sur le Pokédex avant d'y jouer, quoi. Plus que moins de 2 semaines, d'ailleurs. Hein. Là, on est samedi, donc... 1 semaine et 6 jours. Et d'ailleurs, Day One marathon complet sur ma chaîne, hein, donc... Ça, c'est sûr et certain, je me lève à 8h pour aller chercher le jeu à Carouf pour l'avoir à 40€. Et ça part. Hop, un peu des deux. Je pense que je vais commencer en solo parce que je le fais avec Jouzo. Je ferai avec Jouzo qui était avec moi en vocal au début du stream là, mais qui s'est barré avant que t'arrives. Hop, qui lui prendra Scarlet et moi je prendrai Violet. Et puis on le fera en duo quand il sera là, parce que lui il sera au travail du coup, vu que c'est un vendredi que le jeu il sort. Donc on pourra pas jouer direct ensemble, mais dès qu'il rentre et qu'il aura un petit peu avancé dans le jeu. Moi j'attends pas, c'est mort. Déjà parce que je suis tellement hype par ce jeu que je ne peux pas attendre 1 minute de plus avant d'y jouer, surtout quand je l'aurai déjà dans les mains. Ah putain, encore une zone 3. 1, 2, 3, ouais, zone 3. Non, je prends pas. Hop. Et puis voilà. Ouais, puis donc non seulement la hype, et puis aussi parce que la hype sera présente sur Twitch, donc je vais pas laisser les autres commencer et me piquer des viewers. Moi aussi j'ai eu du succès. Et du coup voilà, c'est pour ça que dès que j'ai le jeu, je rentre, je lance le jeu direct. Rien à battre de Jouzo. D'ailleurs, il est pas revenu, donc il m'entend pas. De toute manière, même s'il m'écouterait, je l'aurais dit en face. Pam. Ça dépend si t'as envie de dormir ou pas. Et je te dis, la ligue elle est chaude. Hein. Le Karchakrok, si t'es pas préparé à lui, tu vas te faire goumer. Et...
Ok. Pourquoi il est compliqué, Terral? Il a un taux de capture très faible. Moi, le dernier, c'était Tarsal, moi. Avant que je commence Evoli. Hop. Mais après, je suis passé très très vite à Légende Arceus, et donc... j'ai beaucoup plus chassé sur Légende Arceus que sur les remakes 4G. Et j'ai même pas mal de barons shiny à mon actif. Et utilise que bélier et la tempête de sable. Ok, d'accord. Non merci. Je n'aurai jamais shiny en plus exemplaire. C'est-à-dire que tu fais fauchage, il est mort de sûr. Hop. Hop. Ou alors je le ferai en Masuda, tu vois. Allez hop, 3 sur 8. Enfin sur 8 minimum. Hop, ouais je l'ai endormi avec sport. Ok, ça continue, donc on en aura minimum 4. Donc de sûr, j'ai la moitié de mon objectif de rempli. Masuda, il faut faire 10 000 pas pour éclore 100 corps ardents. Oh, ok. Bah là, j'ai commencé Masuda. J'ai commencé, quand ça s'appelle... Tyrannosif. Donc ça sous-évolution. Donc vu que c'est un dragon, je pense que c'est pareil. C'est kiff kiff. De toute manière, 10 000 pas c'est rien si tu l'as first F. Ouh, t'as un cachet. En zone 4 en plus, mais non non. C'est pas un dragon, Tyrannosif ? Il me semblait qu'il était du type dragon. Puis, c'est un Pokémon que je connais très très peu. C'est juste que j'ai appris qu'il était inspiré sur Godzilla. Parce qu'à la base, je le trouvais un peu moche. Et en fait, j'ai appris qu'il était inspiré de Godzilla et tout ça. Et donc, l'histoire derrière la création du Pokémon, je la kiffe. Et donc, du coup, je me suis dit, oh, tiens, ça me donne envie de chasser. Et donc, voilà. Tel un broussel, c'est possible, hein, c'est possible. C'est possible. Je dis peut-être de la merde. C'est vraiment pas un Pokémon que je connais beaucoup.
Mais voilà, c'est ça, Umbrilex. Chaque fois, je retiens jamais son nom. Hop. Un Pokéradar, il est simple à faire ou pas? Ça m'intéresserait du coup de l'avoir au moins 3 fois pour avoir toutes les formes du Pokémon en Shiny. Là, les talents cachés, ils veulent que je les chope. Hein. Ça fait plusieurs fois qu'ils pop facilement. Après, ça se trouve, ça dépend de la version. Je crois que c'est pour ça, en fait. Il est simple, mais ça dépend de la version où c'est. Il est faisable que sur Diamant. Ou que sur Perle. Bon, en tout cas, un des deux, je crois. Hein. Moi, du coup, je suis sur Perle. Donc, est-ce que je peux le faire ou pas? Déjà, épée bouclier, il est exclusif à une version. Et que c'est pour ça que je l'avais fait. Que je l'ai commencé en Masuda et non pas en rencontre, même si la méthode de rencontre est nulle. Oui, possible que ce soit exclusif. Oui. Enfin, je suis quasi sûr. En tout cas, bouclier, épée bouclier, il est exclusif à épée. À bouclier. Hop, c'est sûr et certain. Hop, parce que toi tu as quoi comme version? Putain, mais regarde, il y a deux. Il y a deux talents cachés en zone 4 en plus là. Laissez-moi tranquille, je m'en fous moi. À la limite, briller, mais c'est tout. Hop. Et... Ah, t'as les deux versions, ok. Et tu te souviens plus sur quelle version tu l'avais fait? Bim, 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 bim. Après, j'ai vu qu'il faisait partie de mon Pokédex, donc ça se trouve... Ça se trouve, il est sur ma version. Diamant? Ok, donc en fait, non. Donc je l'ai, ce que j'ai dû échanger avec Jouzo, parce que lui il avait justement diamant. Ils ont pop dans le même côté de l'écran, quoi. Moi je ferai violet simplement. Hop. J'ai jamais acheté les deux versions d'un même Pokémon. Enfin d'une même génération de Pokémon. Hop. Je crois que j'ai Y. J'ai Lune. J'ai pas les remakes 3G. J'ai pas Ultra Soleil ni Ultra Lune. Hop, j'ai épée, j'ai perle scintillante, j'ai légende Arceus, mais là il n'y a qu'un seul jeu. Et je rêve violet. De toute manière, si le légendaire il est pas resettable, ça sert à rien d'avoir les deux versions pour moi. Hop. Et vu qu'on peut jouer en multi, les Pokémon exclusifs, tu peux aller les chasser. Chez les autres, donc bah il y a de grandes chances que ce soit
Scarlet et Violet, justement, parce que là, plus les jeux sortent depuis Soleil et Lune, et même Pokémon Épée Bouclier, plutôt, les jeux Pokémon principaux prennent la direction du jeu parfait Pokémon, selon moi, donc... Hop. Donc là, si je suis hype comme jamais sur la 9G, c'est parce que ça répond à énormément de critères que j'attendais depuis très 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 longtemps sur un jeu Pokémon. Donc voilà, pour l'instant, c'est épais, mais dans deux semaines... Enfin, même Legend Arceus, même si c'est un spin-off. Alors on va dire épais bouclier pour les versions officielles. Les versions non spin-off, quoi. Enfin, oui, voilà. Et version spin-off, enfin, jeu tout confondu, Legend Arceus. Et d'ici deux semaines, ce sera, à mon avis, Violette et Scarlet. Ok, jamais fait. Et je t'avoue que graphiquement, ça me rebute un peu. Et puis, de toute manière, c'est GameCube, donc j'ai jamais eu la GameCube. Donc, voilà. Après, je crois qu'ils l'ont ressorti sur Switch. Ou ils vont le ressortir sur Switch. Je sais pas, je sais plus c'était quoi la date. Les deux. Hop, du coup t'as dû sauter au plafond quand ils ont annoncé le portage Switch des deux jeux. Pas au courant de ça? Bah, il y a environ 2 ou 3 mois, ils ont annoncé qu'ils allaient porter Pokémon Colosseum 1 et 2 sur Switch. D'ici la fin de l'année. Il me semble, parce que ça concernait que les jeux qui sortaient en 2022. Et je suis sûr de moi, hein, c'était une conférence Nintendo, c'était un Nintendo Direct, donc c'est impossible que je dise de la merde. Ça vient de la source mère, quoi, donc je ne te troll pas, c'est la vraie vérité. Yep. Après, du coup, tu préfères quoi? Des portages des jeux GameCube sur Switch ou t'aurais préféré un tout nouvel opus sur Switch? Après, ça se trouve, ils les portent peut-être sur Switch pour agrandir le public de ces jeux-là pour ensuite sortir un troisième l'année prochaine ou dans 2 ans, tu vois. Hop.
Après, Nintendo, des fois, je les comprends pas parce qu'ils ont des autoroutes de jeux à faire qui rapporteraient tellement de pognon, parce qu'il y a tellement de fans derrière. Et ils font pas. Hop. Ou alors, ils perdent des licences. Là, par exemple, la licence Jump. Donc Jump All-Star, je crois qu'il s'appelle le dernier sur PS4 ou PS5 même, je sais plus. Hop. Qui est nul à chier. Bah ça, là-bas, c'était sur des consoles Nintendo, c'était sur, sur DS. Il y avait Jump Ultimate Stars, c'était un des meilleurs jeux de la DS. C'était trop trop bien. Et depuis, ils ont perdu le truc. C'est comme les FF, à la base, c'était chez Nintendo. Et après, ils ont perdu... exclusivité. À partir de la PlayStation. Hop. Et je paierai cher pour avoir un Jump Ultimate Stars like sur Switch. C'était trop bien. Hop, imagine un Smash. Sauf que tu peux tuer tes opposants en plus de les envoyer valdinguer. Que les terrains ils se détruisent. Ou qu'ils ont des règles particulières. Mais surtout que les persos jouables, ce soit que des persos de manga du Jump. Hop. Hop. Et ça suit des mangas et tout. Parce qu'en fait, dans Jump Ultimate Star, donc, tu devais construire ton deck en quelque sorte. Où t'avais une grille sur laquelle tu pouvais mettre tes jeux, tes personnages. Et plus ton perso il est fort, plus il prenait de cases sur la grille. C'est un peu l'équivalent de l'inventaire de Resident Evil 4, je crois. Enfin, peut-être même tous les Resident Evil de base, en fait. Et du coup, ça suivait la progression de l'arc et tout ça. Par exemple, t'avais Luffy, bah, tu l'avais normal au début. Et après, tu l'avais donc à 4 cases. C'était 4 cases minimum pour les personnages jaunes. Hop, ensuite tu l'avais 5 cases où il avait une technique particulière qu'il a que après tel truc. Puis après bah tu l'avais Gear Second, Gear Third. Et je crois que ça s'arrêtait là. En tout cas ça allait jusqu'à 8 cases. Hop, et il était surpuissant. Et pareil Naruto. Naruto normal, Naruto de plus en plus pété jusqu'à sa silhouette jaune machin. Goku pareil, Goku normal, après CJ1, CJ2, CJ3. Il n'y a pas CJ4 par contre, malheureusement. Hop, et puis bon, c'est un jeu Nintendo DS du début de la DS, hein, donc il y avait... DBS n'existait pas par exemple. Et puis toutes les avancées de l'arc... des arcs de One Piece n'étaient pas à jour non plus, évidemment. Il y avait genre 50 tomes de moins. Mais c'était trop bien hein. Et par contre il est jamais sorti en Europe. Il est sorti que au Japon ce jeu là. Donc je l'avais parce que la DS console la plus piratée du monde. Donc j'avais un linker. Et du coup je pouvais avoir la version japonaise du jeu avant. C'était bien avant parce que là j'ai vu que récemment qu'ils ont fait une ROM où ils ont tout traduit à l'intérieur en anglais. Et ben nous non, on y jouait en japonais, on devait aller imprimer des pages et des pages sur internet. Putain, j'ai eu peur, j'ai cru que j'avais Proc l'herbe qui était là. De traduction des épreuves. Pour avancer dans l'histoire, pour débloquer du contenu et des nouveaux persos. Hop, et ensuite on se fritait en match local. Multi. C'était trop bien! Je voudrais créer un hashtag Bring Back Jump Ultimate Stars. Chez Nintendo du coup. Ouais. Et après la licence c'est un petit peu démocratisé parce que là, comme je disais, le dernier opus Jump All-Star, je crois qu'il s'appelle. Qui est en 3D et tout. Là, ça c'est sorti sur PS4 et tout ça, et ça c'est par contre c'est sorti dans le monde entier. Mais le jeu il est nul à chier.
Hop. Content qu'il n'y a pas eu une petite herbe qui brille là. Et surtout, ce serait cool. Hop. Niveau en zone 4. Non. Pipi, pipi. Hop. Allez, mes brilles. Et là, imagine, l'herbe, elle brille, sauf qu'il y a un bug, c'est un Palkia Shiny qui est dedans. Hop. Il faudrait faire un Pokéradar du pif, tu sais jamais quel Pokémon tu vas avoir dedans. Et t'es directement à la chaîne de 40, du coup t'as juste à reset à chaque fois. Et du coup t'as une heure qui brille, hop, mais tu sais pas c'est quoi le Pokémon. 200 expéditions que j'ai pas de shiny. Ah. Tu vois, c'est ça que je me disais. Est-ce que tu penses que c'est plus rapide de reset à une chance sur 4096 sur Pokémon Depths, un légendaire, ou de faire des expéditions Dynamax en boucle à une chance sur 100, mais que t'es obligé de te taper tous les putains de combats avant, quoi. Hop. Et expédition, ok. Moi, j'ai toujours pas eu de légendaire en expédition. Après, j'ai pas tryhard non plus beaucoup là-dessus. 1, 2, 3. Hop. J'essaie d'avoir Rayquaza, Shiny, mais j'ai toujours pas trouvé l'antre qui me donne déjà Rayquaza. Et de celle que j'ai trouvée, il y a OO aussi que j'essaie de reset. Et j'ai toujours pas eu. J'ai toujours eu des Pokémon du pif lambda, mais pas le légendaire de fin. Il te reste 3 légendaires. Tu les as tous faits ? Moi, il y en a, j'ai capturé direct, j'en ai rien à battre. De les avoir légendaires. Shiny, donc. Ok. Après, c'était la bonne opportunité de les avoir tous facilement. Enfin, facilement, rapidement, on va dire. Est-ce que se farcir des combats avec des bots, c'est facile? Surtout que c'est pas comme si t'es des combats normaux où t'as juste tu OS n'importe quel Pokémon ou au pire en deux tours c'est fini quoi. T'es obligé de taper la barrière, tout ça, c'est super chiant. Moi j'ai déjà eu un shiny premier œuf. Et j'ai déjà eu un baron shiny en deux resets.
Et j'ai déjà eu... Hop. Des chenilles que j'écoule de manière incroyable. Une IA qui gardait tout le temps son métamorphe. Ok, oh, parce qu'il était zéroïde, c'était un enfer. Il utilise que des attaques, j'imagine, qui touchent tout le monde. Ah oui, ok, effectivement. Mais quel enculé. Du coup, vous êtes tous morts. Hop, moi j'ai déjà eu un... Je chassais Tritox en Masuda pour avoir Malamandre Shiny. Mais évidemment, Malamandre, c'est que la femelle qui évolue. Et du coup, ben... Évidemment, Tritox, je l'ai eu premier œuf. Le seul Pokémon que j'ai chassé qui a une importance sur le sexe. Il tombe premier œuf. Et c'est un putain de mâle. Et j'ai des preuves, hein, je streamais quand ça arrivait. Et du coup, d'où... D'où cet emote Trolltox. Parce qu'il est venu juste pour nous montrer sa bite, et c'est tout, quoi. Et depuis, j'en ai eu trois, et les trois, ils sont des mâles. Donc je continue la chasse, hein, jusqu'à avoir une femelle, hein, une chance sur deux, enfin 12% de chance que ce soit une femelle. Yep. Bah, de la grosse chatte pour l'avoir premier œuf, mais pas de chance pour que ce soit un mâle, quoi. Surtout que je l'avais dit tout. Enfin, attends, je vais te retrouver le clip. J'ai fait un clip sur... Est-ce que j'ai mis sur Insta ou pas? Busted. Mon compte, mon profil. Ça c'est mon magnifique tuto. Ça c'est... Ça... Non, je pense pas. Je l'ai mis sur TikTok alors. Pété 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 pété. Bon, je vais me couper à TikTok. TikTok. Attends, est-ce que j'avais pu le faire en short sur YouTube en fait? Ce sera peut-être plus mieux. Contenu. Le Vénard Shiny du pif. Ouais, le Vénard, j'ai un truc avec le Vénard aussi. Le Vénard, il me kiffe. Trisox Shiny, ouais, je l'ai là. Hop, récupérer le lien. Créer un lien de partage. Voilà. Contrôle V. Hop. Non, le destin, c'est que pour les IV. Donc, on s'en fout depuis Pokémon épée bouclier. Après, c'est peut-être possible que j'ai quand même le destin sur mon métamorphe. Je me sens pas qu'il soit aussi IV en fait. Après, j'ai quand même eu... Je sais plus, il faudrait que je revoie mon métamorphe, comment il est. Hop. Yeah, pourquoi?
Pourquoi? Pour que ce soit pour Loki le sexe de l'enfant? Bah je regarderai, mais je pense pas que ce soit le cas. Il y a un item qui permet de bloquer la nature. Le destin qui permet de bloquer les IV. Ça donne 5 IV des parents. Enfin, des deux parents confondus, ça va en distribuer 5. Donc des 10 IV. Ah, voilà, merci bien. Et en plus, en zone 4, tout est bon. Quatrième, on a la moitié du compte minimum que je veux. Une quiche et une hyperbole. Et ça continue! On en aura minimum 5. Donc c'est très bien. C'est très 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 bien. Enfin, je vais quand même regarder. Ouais, c'est ça. 4. Donc là, on est sur le 5ème. Et hop. J'ai aussi un Ectoplasma Baron Shiny Gigamax. Enfin, je fais pas les choses à moitié, moi. Donc on est déjà à 4 shiny, il n'en reste plus que minimum 4 à avoir pour avoir, atteindre l'objectif des minimum 8. Hop, pour avoir les évolutions qui me manquent et avoir un de rab si jamais la 9G apporte une nouvelle évolution d'Evoli. Et j'ai même envie de dire, plus on en attrape, mieux c'est pour le futur. Là, si Georges en attrape 15, je suis future-proof pour toutes les évolutions qui seront rajoutées dans le jeu ces 10 prochaines années, même plus, même au moins les 20 prochaines années. Tipi, pipi, tipi. J'ai disparu, mais je reviens. Hop, repousse max. Pourquoi j'ai faim alors que j'ai mangé assez tard dans l'après-midi? Hop. Hop. Je viens de regarder, il n'y a pas d'objet pour avoir plus de mâles ou de femelles, sorry. Bah oui. C'est ce que je disais. Il me semble bien. Sinon, je l'aurais fait, hein, TKT. Parce qu'avoir 3 fois Tritox mâle, shiny, à un moment donné, ça va bien, quoi.
Oui, et aussi, je suis le digne propriétaire d'un Godot Bidouf Baron Shiny. Prosternez-vous devant moi. Je suis le maître absolu. Et j'ai même un bidouf shiny du pif. Et j'ai un castorno shiny aussi. Hop, je crois que j'ai un castorno shiny du pif aussi. Je sais plus si c'était un castorno ou c'était un bidouf que j'ai eu. Je ne sais plus. En tout cas, je suis hype pour la 9G. JPP d'attendre, c'est quand ça sort. Hop. Hop, d'ailleurs, tiens, en parlant de ça, vous avez vu les Switch OLED édition 9G, là ? Je trouve que le dock, il est magnifique, je trouve que les Joy-Con sont dégueulasses, et je trouve que la Switch en elle-même, elle est... bof sur 20. Donc, voilà. Moi, si je devais me faire une Switch OLED, mais que je pouvais... prendre des composants de plein d'éditions différentes, je prendrais le dock de la 9G, je prendrais les Joy-Con de Splatoon 3, et par contre je sais pas encore quelle console je prendrais pour le dos. Titi. Ok, merci, bonne soirée, à toi aussi, et puis merci d'être passé, et puis à plus. Moi j'arrête le stream que quand j'aurai fini la chaîne là, quand elle sera cassée. Même si j'ai faim, donc je ferai une petite pause pour aller chercher à manger. Mais voilà. Tant que la chaîne n'est pas cassée, on continue. Hop. Et hop. Et hop. Et hop. Allez, brille! Ti-ti-ti. Papa, papa. Il est pas revenu, Jouzo, hein, je crois. Hop, attendez. Oh, il avait fait des vidéos et tout. Et hop. J'en étais où ? Dis pas. 1, 2. Ok, je le dis pas. Hop, hop. Non, mais il y a des gens qui utilisent des pétards à côté de chez moi là. What the fuck ? On est en novembre, les gens.
Hop. Oui. Ah là là, sérieux. Oh, les pièges à con. Encore un talent caché. Bon, ça faisait longtemps, cela dit. Hop, oui. Hop, 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 hop. Pouh, allez, cinquième. Et en zone 4 en plus. C'est parfait! Merci pour GG. Point point. Oh. Attaquer. Fauchage. Ok, heureusement, il a fait jet de sable. Et tu rentres dans l'hyperbole. Fais pas de blague. Ok. Ok. C'est bon, cinquième. Bon. Bah au moins ça veut dire que je peux finir ce stream et aller manger. Tranquillement. Mais ça veut dire qu'on en a eu que 4, que 5. Putain. Bon, c'est mieux que rien, quoi, mais il m'en manque au moins 3. Et ouais, ça a cassé. Eh, ils sont toujours en train de dormir. Ça a cassé. C'est mille couilles que ça casse aussi. Bon, c'est mieux que rien, mais bon. Moi, je crois que j'étais. On n'a pas l'impression qu'ils sont tout en haut. Hein. Hop. Vas-y, du coup, on va juger en plus. Ok. Mid, solo, lâche, pudique. Naïf. Du coup, ouais, il me manque vraiment. Il m'en manque que 3, je suis trop laid. Bon, on va quand même sauvegarder dessus. Hein. Voilà. Et puis j'ai réévolué dans mon coin. Enfin aussi on peut quand même déjà en faire évoluer quelques-uns en fait. Hein, parce que vu qu'il suffit d'avoir des pierres pour la plupart. Bah je vais faire Givrali, tiens. Parce que j'oublie tout le temps Givrali, donc je vais le faire.
Hop. Les éveillés niveau... Hop. On va aller les... Les guérir et tout et tout. GG. Ah putain non. 4e badge. Hop, allez. Givraldi du coup. Je pense que je les ai, hein, les trucs. Poche objet. Et cailleur. Voilà. Alors, pierre éclat, pas pierre cœur. Pierre feu, pierre foudre. Pierre eau. Donc là-dessus, les trois premiers, je les ai. Et ensuite, Givrali Mantali, quoi. Pierre plante. Hop, et à Filali aussi. Dans l'océan. Hop. Vas-y, je vais donner pierre plante. Et va. Là, il sait plus parler à partir du moment où il a évolué. Il est shiny là. Enfin, pas l'impression qu'il soit shiny. C'est ouf que j'ai 23 pierres eau, quoi. Par rapport aux autres où j'en ai que 5. Des pierres foudre et des pierres feu. Pierre lune, pas un, peut-être pierre soleil non plus. Pierre feu. Papier ciseaux. Là, on voit qu'il est shiny. Bon là le fond bleu, on dirait pas qu'il est shiny, mais hop, oh. C'est des trois primaires, des trois toutes premières évolutions d'Evoli, c'est celle qui se voit le mieux, qui est shiny. Aquali. C'est là-haut. Hop, et maintenant on va aller faire Givraldi. Par
contre, je sais plus où est la pierre. Et où la pierre glace là? C'est simple, c'est pire plan. Frimapic, partez à l'entrée principale de la ville et il y aura un petit bloc rocheux entouré d'herbes. Si le joueur interagit avec lui, il pourra lire le rocher incrusté de glace. Il est glacial au toucher. Maintenant, le joueur n'ont plus qu'à monter de niveau le Révoli une fois étant près de ce rocher glacé. Pour obtenir Givrali, ok. Frimapic Celestia. Et non, c'est tout là-haut. Hop là. Alors, sur l'entrée principale... Rive du lac. Je pense pas que ce soit là, du coup. Parce que sinon, il m'aurait... Ça n'a pas l'air d'être à la sortie principale. Carrément. Ah non, ça c'est le temple. Ah, tant mieux parce que je m'en fous. Ok, mais je m'en branle en fait. Fait la L. Un combat? Wow! Alors, si c'est un combat, j'ai eu trop de la chance de l'avoir esquivé là. Non, c'est pas un combat. Ok. Bon, bah, en fait, il n'y a qu'une seule sortie en fait du village. Il dit la sortie principale, mais soit tu arrives en bateau, soit tu. Toi t'arrives par le lac. Les rives du lac. Putain. Je peux pas le tuer en plus. Je demande de me dire, mais en fait je peux pas le tuer parce que lui il peut pas tuer, il a fauchage. Et c'est tout. Donc je peux m'amuser à le faucher et espérer que qu'il y ait de la grêle. Ah oui, bah il y a la grêle. Et bim. Voilà. Simple, efficace. Là, il y a un truc. Ok. Là, c'est le lac. Il m'aurait dit au lac si c'était au lac qu'il fallait que j'aille. En fait, maintenant que j'y pense. En fait, je vais reprendre un repousse. Hop.
Non, c'était là ou c'était... Où c'est là? Hop. C'est-à-dire que dans le tout premier jeu Pokémon, à chaque fois que ton repousse était terminé, il fallait que tu retournes dans le menu pour lui dire « Hey, en fait, j'ai utilisé un repousse. » T'es sérieux, je l'ai pas battu lui? Ah putain. Maril ou la skieuse? Maril. Il y avait combien de Pokémon? 2 je crois. Hein. Ah, si la moula. Non. Ah putain, mais sérieux? Foutez-moi la paix. Merde, il n'est pas de team glace. Ici. Donc on est bien d'accord, il n'est pas affecté par la grêle. Bon, je prends une potion, je vais attendre qu'il s'empoisonne tout seul comme un con sur moi, mais bon.
Mais putain, mais proc sont pas son talent là. Ça sert à quoi d'avoir un talent si tu peux pas l'utiliser quoi? Bon, ça sert à rien que je fasse ça de toute manière. Voilà. Endormi. Moi je voulais que ça empoisonné en fait. Il reste endormi pendant des heures en plus. Mais réveille-toi! Merci quand même! Waouh. Évidemment qu'il se réveille. Attends, on va faire un truc. Je sauvegarde. Je vais dans le sac. Je donne un super bonbon. Et ben voilà! Bon, en fait, il n'y avait pas besoin de la pierre de mes deux, en fait. Il suffit juste d'être dans un biome froid et de le faire monter de niveau, quoi. Hop. Je me disais aussi que c'était bizarre qu'il veuille évoluer tout à l'heure, alors que... Il faut... Pour qu'il évolue en Mentalie, en Octalie ou en Infalie, il faut qu'il ait le bonheur au max. Donc ça pouvait pas être un de ces trois-là. Si, pour tous les autres, il faut des pierres spéciales. Donc je me suis dit, c'était quand même bizarre qu'il évolue maintenant alors qu'il a gagné qu'un seul niveau, quoi. Donc, voilà. Hop, c'était bien sur Givrali. Donc on peut re-sauvegarder. Si ça n'a pas été Givrali, du coup, j'aurais reset, hein, évidemment. Mais du coup, c'est bon, et donc on peut se re-TP. Autre part, et puis de toute manière, on va mettre fin à ce stream. Hop, il nous manquera 3 Evoli, du coup, pour finir le truc. Il me manque Mentali, un Evoli qui restera à jamais Evoli et un autre Evoli qui restera Evoli jusqu'à ce qu'on voit si dans la 9G il n'y a pas une autre évolution ou pas. Et puis voilà. Donc on verra et même ce serait cool que je réussisse à refaire une chaîne par exemple jusqu'à 40 et que j'en réussisse à en rechoper 5.
encore une fois, comme ça, ça me permettrait de... bien d'avoir, d'en avoir 10 de plus, enfin d'en avoir 10 en tout, et puis d'être... d'être safe pour les prochaines évolutions. Voilà, ça va faire presque 4 heures de stream pour réussir à avoir ces Pokémon Shiny là. Ça aurait été bien sympa. Voilà, on se donne rendez-vous peut-être demain, peut-être pas, peut-être lundi, je ne sais pas. Encore, ça dépend de comment je suis en forme ou pas. Et si j'ai des trucs de prévu ou pas, ou des trucs qui m'intéressent plus que streamer ou pas. Donc on verra. Voilà, après, peut-être que ce sera pas sur Pokémon le prochain stream, ce sera peut-être sur Monster Hunter Rise par exemple. Ou peut-être que peut-être, attendez, on va regarder, j'ai pas regardé aujourd'hui. Est-ce que... Mais après on est samedi, ça m'étonnerait du coup. Après, aux États-Unis... Mais bon, c'est japonais comme jeu... Est-ce que Persona 5 a été mis à jour ? Pour corriger les bugs que j'ai, qui me permettraient du coup de le stream facilement. Check for update. Non. Donc voilà, ce sera soit sur Monster Hunter Rise, soit sur un jeu indé ou quoi, un jeu qui me donne envie de jouer à ce moment-là. Bref. Voilà, sur ce, merci d'avoir regardé ce stream, que ce soit en direct ou en rediff. Je pense qu'il y aura de rediff vu qu'on a eu le shiny. Et puis voilà, sur ce, bye bye et à plus.